Oh! Le poulet! Le poulet! Les mecs, les mecs, les mecs! Dans cette vidéo, vous le savez, comme d'habitude, il y a encore un huge à gagner! Oui. Je pense en vrai, vous êtes régalés avec tous les huge, les gars. Vous êtes tellement régalés, putain, mais. Là, carrément, même moi, je suis jaloux. Vous avez tellement de huge à chaque vidéo. Du coup, les gars, aujourd'hui, quel huge on va sélectionner pour vous? Et les gars, aujourd'hui, je pense qu'on va sélectionner le huge de Roger. Donc, Roger, mon petit Roger. Je sais pas, ça fait combien de temps que t'attendais que ton huge soit sélectionné, mais il est enfin sélectionné, mon petit Roger. Hop, du coup, c'est parti, je vous montre à quoi il ressemble, les gars. Donc, évidemment, c'est un Happy Computer assez basique, mais moi, pour moi, c'est l'un des huge les plus stylés. C'est dommage qu'il soit pas très rare, mais il est tellement stylé. Genre, vraiment, en plus, en mode énervé, il est incroyable. Mais bon, ça, faut le débloquer en mode. Enfin, c'est le. Attends, je vais vous montrer. Regardez, Computer, c'est les comme ça, vous voyez. Bon, bref. On s'en fout. En tout cas, si vous êtes nostalgique de l'Event Computer, vous n'avez pas pu participer à l'Event Computer à l'époque, eh ben, n'hésitez pas à participer pour celui-là. Et les gars, le code secret, cette fois-ci, j'ai changé un petit peu. Il ne sera pas écrit à l'écran, il sera en vocal. Bonjour princesse, ça va? T'as bien dormi? T'as pas pensé à moi? Même pas un peu. Méchante. Il y a feuille? Ça veut dire. Je vais le dire dans la vidéo au bout d'un moment. C'est-à-dire, dans la vidéo, il y a un moment où je vais dire le code, c'est blablabla. C'est blablabla. Et donc, ça sera à vous, les gars, de bien écouter dans la vidéo dès que je dis le code. Et puis, comme ça, au moins, il n'y aura plus de faut le chercher avec les yeux. Maintenant, c'est avec les oreilles. Donc, bonne chance à tous, les gars. Et puis, évidemment, on va faire gagner aussi des petits exclusifs. Hop! Et donc on va faire gagner, vous savez quoi, les deux jokers. Allez, c'est parti. Les deux jokers, c'est pour vous les gars. Let's go. Bonne chance à tous et que le meilleur gagne. Ok les mecs, c'est parti pour tirer au sort le vainqueur du huge de la vidéo précédente. Et attention, c'est Itachi. Youhou, une nouvelle vidéo. Et bah, je suis content que tu sois content, BG. Il est content d'avoir une nouvelle vidéo. Non mais j'ai pas envie de dormir, j'ai envie de toi. Ouvre. Ouvre. Et bah gros GG à toi Itachi, tu as gagné un petit huge, donc j'espère que t'es très content. En plus, je connais ton pseudo, je m'en rappelle, c'est Bijou. Du coup, alors, tu as gagné le Prison 4. J'ai failli carrément oublier. Et donc, tu as gagné le Prison 4 de... Ouais, celui-là, de Kirikiri. Et en plus, mon ref, oh, je pense que tu vas être tellement content. Parce qu'il y a un charme Overload, Royalty et Glittering. Bon, le charme XP, il est un peu... Il vaut un peu cher parce que, vous savez, il y a une amélioration. Mais bon, GG à toi en tout cas. Hop, je te l'envoie directement. Oh, il doit être tellement content avec tous les charmes. Et bah, gros GG, cadeau envoyé. C'est parti, les gars, pour le deuxième vainqueur et pour Mr. Krabs. Et c'est Ninjaraf. Mon PS Ninjaraf, youhou, je m'emporte quand je te vois. Et bah, j'espère que t'es content, hein, à chaque fois que tu vois une vidéo. Du coup, c'est parti, on va lui envoyer le petit Mr. Krabs. Boum. Et du coup, hop, Mr. Krabs. Ça tombe bien, en plus, j'en avais deux. Hop, donc il y en a un pour toi. Cadeau envoyé. Ok, Phoenix. Bah, GG, Phoenix. Attends, je vais quand même lire son petit message. T'as regardé la vidéo de BFA Yuyu, il est très fort. Et PS, tu gères. Le code, c'est Pikachu. Et bah, le code, c'est pas Pikachu. Who's that Pokémon? It's Pikachu! It's Clefairy! Fuck! Et Yuyu, c'est pas vraiment le code. Le code, c'est Youhou. C'est presque pareil. En tout cas, Phoenix, bien joué. Tu as gagné un dodge comparé aux deux autres qui n'ont pas mis leur pseudo. Hop, gros GG à toi, Phoenix. Et cadeau envoyé. Yo les gars, c'est Nsio, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo sur Pet Simulator. Et aujourd'hui les gars, vous avez vu le titre, on va pas jouer à Pet Simulator. En fait, pas vraiment. On va un petit peu y jouer, mais vous allez voir. Déjà, faut quitter directement le jeu. Parce que aujourd'hui, les mecs, on va jouer à Pet RNG. Donc on va écrire directement Pet RNG. Hop, et on va du coup tester tous les Pets RNG qui existent les gars. Il y en a plein qui existent. Et on va les tester directement. Et puis on va voir s'ils sont bien ou pas. Parce que pour ceux qui savent pas, dans 2 heures, donc quand je sors la vidéo à 16 heures, il y a le jeu qui sort, les gars, Pet Simulator. Et on fera des lives YouTube, des lives Twitch, etc. Et donc, ça va être incroyable. Et je vous précise, mais il n'y aura pas, les gars, de mise à jour Pet Simulator. Malheureusement, c'est un peu triste. Ça fait 2 fois qu'ils nous font le coup, il n'y a pas de mise à jour. Mais c'est pas grave, parce que c'est pour une bonne raison. Ils ont dit qu'il y avait un jeu qui sortait. En tout cas, on va choisir un pet. Je vais prendre le lapin. Mon pseudo, je vais marquer End. Hop. Ah non, c'est pour le petit lapin. End, ok, stylé. Du coup, c'est parti, les gars. On va directement jouer à ce nouveau Pets RNG. C'est quoi ça? Faut attendre 10 heures. Bon, ok. Wesh, ils ont mis un Forever Pack, les bâtards. Ah, ouais, mais ça, c'est un Forever Pack de rat, ça.
Il y a même des œufs limités de Dream, ok. Ça, c'est le YouTuber Minecraft, moi je le connais. Là, on a les œufs en cœur, ok. On a des petits. Ouais, pourquoi pas. En fait, c'est littéralement un plagiat. On peut avoir un overboard, ok. Là, c'est pour faire automatiquement je ne sais quoi. C'est quoi ? Artisanat automatique, mais je sais même pas ce que ça veut dire quoi. On peut changer d'aura, ok. On peut se téléporter dans des zones. On peut. Ouais, je comprends rien, c'est quoi ce jeu de con. Là, on a des animaux. Il y a marqué que j'en ai 25, mais j'en ai que un. Bon, c'est un peu bizarre. Et donc là, on a quoi ? Une clé requise pour ouvrir le coffre. Ouais, je sais quoi ce jeu de con. Eh les gars, j'espère le vrai Pet Simulator RNG, il va être bien. Parce que c'est quoi ce jeu, frère ? Faites tourner la roue. Bah, j'ai même pas de ticket. C'est quoi ça ? Non, mais frère. Est-ce que je roule ? Attendez. Oh, OMG ! Il se passe quoi ? Oh, 1 sur 20 nature. Oh, trop stylé. Et donc là, j'ai eu quoi ? J'ai eu celui-là, l'ours Daisy. Et donc ça sert à quoi ? Je peux faire quoi avec ? Ah, c'est pour l'index. Mais pourquoi il y est deux fois ? Ce jeu, il est vraiment bizarre. Il est vraiment bizarre. Mais c'est pas grave parce qu'on est là pour découvrir. Et sachant que les gars, on aura bientôt Pet RNG. Là, aujourd'hui en plus, normalement. Du coup, je me suis dit pourquoi pas jouer à Pet RNG avant que le jeu y sorte. Bon, c'est pas du coup le vrai Pet RNG là, c'est le faux, les gars. Je vous repréviens, hein, au cas où. Ah ouais, merde, c'est vrai, l'overboard, on peut pas le faire. Après, en vrai, il est plutôt stylé pour un faux jeu, en vrai. Je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz dans les commentaires. Du coup, là, on peut fabriquer des dés. Mais comment je fais pour en créer ? Il faut 5 normales pour un doré. Ah ouais, ok, j'ai capté. Donc là, moi, j'ai combien ? J'en ai 3. Ah, je peux même pas le faire. Bon, bah, c'est parti, les gars. Deuxième roulage. Oh, 50 shiny en plus. Oh, la chance. Par contre, on voit pas bien qu'il y a écrit shiny. Parce que shiny, ils l'ont écrit en blanc, donc on voit pas bien. En tout cas, on l'a eu en shiny, ça c'est sûr. Ouais, il y a même des huge. Regardez, il brille. Ok, et bah c'est parti pour tester d'utiliser une clé, les gars. 3, 2, 1. Comment ça marche? Ok, c'est parti. Ah, bah j'ai utilisé ma clé pour rien. Il me reste 18 clés. C'est parti. Nul. Il me reste 17. Ok, donc là si je fais. Attends, mais si je roule comme ça, ça marche aussi ou pas? Donc là, 17, j'en ai plus que 16. Ah ouais, ça marche. Ok, en fait, si vous faites comme ça, vous avez plus la clé. Et comme ça, vous avez la clé. Ok, bah c'est parti, on va rouler un peu. Hop. Mais du coup, je sais pas à quoi ça sert d'avoir des clés. Est-ce que c'est. Vous êtes obligé d'avoir des clés pour tourner ou pas? Ou ça donne juste plus de chance, peut-être? Je sais pas. En tout cas, on va rouler automatiquement. C'est parti. Ah, j'ai trouvé un truc ici, attendez. On peut le prendre, vous croyez? Ah, je crois qu'on peut pas le prendre, malheureusement. Et là, du coup, on a la machine arc-en-ciel. Ok. Ah, mais j'ai eu un doré, c'est pour ça. Attends. Ah oui, regardez, j'ai mis un arc-en-ciel, j'ai un doré et un shiny. Ok. Bon, après, c'est pas non plus les plus rares de la Terre, mais... Oh, 63 dans la neige. Et je peux changer mon aura en plus. Si je mets l'aura de la neige, il se passe quoi? Oh, pas mal. Bon, c'est quand même un plagiat, les gars. Mais le jeu est pas dégueu non plus. On verra si Pet Simulator RNG va être mieux ou pas. Moi, j'espère qu'il va être mieux quand même. Imaginez, il est aussi nul que ce jeu, ça va être catastrophique. Par contre, mes pets, ils sont trop nuls ou quoi? Ils arrivent même pas à casser un truc. Tiens, cassez ça. Ok, nul. Il me reste quoi, là? Il me reste 7 clés. Ok. C'est parti. Wesh, Mama Raptor. C'est un pro ou pas? Je sais pas. Ok, on roule. Ah, il y a des enchantements aussi là-bas, j'ai vu. Et en plus, après, on peut changer de zone. Mais faut payer ou pas? Je sais pas. Je comprends rien, les gars. Regardez, je vous fais un petit dézoom. Ah oui, il y a des zones partout, mais... Bon, le jeu, il est un peu douteux, les gars. C'est un jeu vraiment douteux. D'ailleurs, vous inquiétez pas, on va pas jouer que à ce jeu. On va tester tous les autres jeux Pet Simulator RNG. C'est pour voir quel va être le meilleur... Wesh, il s'est passé quoi? J'ai vu une animation de fou, mais c'était ça pue elle du cul. Ok, il me reste une seule clé, c'est parti, on la roule. Et de la merde. Ok, bah c'est parti pour utiliser les dés. Hop. Donc là, normalement, on a plus de chance. Ok, nul. Frère, j'ai cru qu'on allait avoir plus de chance, j'ai eu de la merde comme ça. Mais pourquoi ça fait des bruits de fou, j'ai que de la merde. Ah, j'ai fait une quête, je pense, c'est pour ça. Et un dragon de merde. Mais putain. Donc là, du coup, j'ai plus de dés. Et j'ai plus de... Attends, je peux équiper les meilleurs. Comment j'équipe les meilleurs, attendez. Équiper les meilleurs. Je sais pas. Bon, le jeu, il est vraiment douteux.
Vous me direz si vous aimez bien dans les commentaires, mais j'avoue, il est assez douteux. Je peux même pas mettre le dernier pet. Bon, c'est pas grave. Allez, let's go. On roule un peu. Oh, la neige en arc-en-ciel. Ok. Pas mal, pas mal. J'aimerais bien juste casser le truc, moi. Pour voir ce qu'on a derrière. Ok, j'ai eu 500 pièces. Pas mal. Bon, ouais, les gars, je pense qu'on va se barrer de ce jeu. Il est un peu douteux. J'ai eu quelques trucs pas mal. J'ai eu un Yeti avec une étoile en arc-en-ciel. Bon, pas ouf, pas ouf. Donc on se retrouve directement sur l'autre jeu. Et vous savez quoi, on va le quitter ensemble. Hop, ce qui était un peu douteux. Du coup, qu'est-ce qu'on a de beau? On a celui-là, roule pour les animaux Pets RNG, avec 98% de bonnes notes. Donc je pense qu'il est bien, il y a 90% de bonnes notes. Et en plus, il y a 3 millions de personnes qui viennent jouer. Donc normalement, le jeu doit être incroyable. Oh, déjà j'aime bien les graphismes. Est-ce que vous voulez un tutoriel rapide? Non. Ok, on peut... Merde. Ah, il faut like, les bâtards. Wesh, tout est fermé. Oh, je roll. Ok, j'ai eu un dog. Wesh, en fait, on peut rien acheter, c'est des bâtards. Tout est payant dans le jeu. On a des starter packs. De toute façon, les gars, on est là pour découvrir un petit peu le jeu. Donc là, on a plein de dés, ok. Donc, vous voyez, les dés, ils sont très stylés, des dés de void et tout. Là, on a des cadeaux, mais chaque jour, les gars, faut se connecter. Ou alors, tu peux acheter tous les cadeaux. En vrai, c'est une bonne idée pour ceux qui ont la flemme. On a aussi tous les jours des petits cadeaux si on se connecte. Là, on a notre inventaire, l'op, le shop, et là, nos pets. Donc, pets et inventaire, c'est pas vraiment pareil. Ok, bah c'est parti, les gars. Là, on a un classement. En vrai, celui-là, il est franchement très joli. Mais en termes de pets, je préférais l'autre. Parce que l'autre, il avait des vrais pets. Alors que là, regarde la gueule du pets, frère. C'est quoi ça? Mais bon, on va quand même tester. Et vous me direz dans les commentaires, d'ailleurs, ceux qui ont testé les pets RNG. Mais les faux, bien sûr. Parce que le vrai n'est pas encore sorti. Ok, et bah c'est parti, les gars. Let's go. Et on a encore le dog, nul. Allez, c'est parti. Allez, allez, allez. Éléphant, 1 sur 27. En vrai, plutôt cool. D'ailleurs, regardez, lui à côté de moi, il a eu un 1 sur 77. Donc GG à lui. Allez, on continue. Oh non, il a eu 3000. Oh, c'était... il nous a menti, regardez. Oh, GG à lui, franchement. Ok, j'ai eu le crocodile, j'avais même pas vu. 1 sur 40. Ok, pas mal. Oh, 1 sur 365 jours. Incroyable, regardez-moi ça. Le watermelon. Oh, il est trop stylé. Oh là 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 là. Oh là, je suis refait. Oh, des cadeaux sont apparus sur la map. Vite, 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 faut aller les chercher. Vite, vite, vite. Vite, go, 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 go. Hop, hop, hop. Oh, celui-là, il est pas trop mal. Je comprends pourquoi il y a pas mal de notes positives, les gars. Oh, le Rainbowsaurus. Ok, on continue de roll. On continue, on continue. Ok, une girafe secrète. Oh, il y a un cadeau. Vite, vite, vite. Faut que je le prenne. Oh. Vite, chop, chop. Ok, nice, je l'ai eu. Ok, il y a un mec 40 000 là. Et là, on a 24% de bonus luck. Et malheureusement, on n'a rien eu, du coup, ça repart à 12%. Ok, un Rainbowsaurus, plutôt stylé. Vous me direz d'ailleurs, les gars, est-ce que vous aimez bien les vidéos Pet Simulator, mais sur d'autres jeux? Parce que je sais que moi, les gars, pour l'instant, sur ma chaîne principale, je fais que des vidéos Pet Simulator. Ça veut dire que j'ai jamais fait de vidéos Pet Simulator... de faux jeux, de etc. La seule vidéo que j'ai faite, c'était Pet Simulator X. C'était la vidéo où je transférais un huge de Pet Simulator X jusqu'à Pet Simulator 99. Donc forcément, bah, j'ai joué à Pet Simulator X. Mais à part une seule fois où j'ai joué à Pet Simulator X, les gars, je n'ai jamais fait de vidéo sur d'autres jeux Pet Simulator. Donc si vous voulez des jeux sur les Pet Simulator 1, 2, 3, 4, 5, etc. Ou alors, je sais pas moi, sur par exemple bah, des faux jeux comme aujourd'hui, bah, n'hésitez pas à me dire et vous me dites oui, joue à Pet Catcher ou Pet Machin. En tout cas, aujourd'hui, les gars, c'est un test. C'est la première fois que je fais un jeu non Pet Simulator. Donc, vous me direz dans les commentaires si vous aimez bien ou si ça pue la merde. Ok, c'est parti. On enchaîne. J'aimerais bien avoir un bon pet avant de changer de jeu. Hop. Regardez, lui, il en a un sur 142, mais il est très stylé. Il est pas rare, mais il est très stylé. Allez, c'est parti. Bon, après, les gars, je dis que j'en veux un rare, mais j'en ai un déjà à 360. Il est incroyable en plus. Donc, bon. Je veux pas non plus. Oh, le shark. D'ailleurs, on va activer, les gars, un petit dé. Hop. Je vais mettre. Tu sais quoi, je vais tout mettre. Hop, je mets tout, je mets tout. Voilà. Alors là, 240% de chance. Quoi? C'est une blague. C'est une blague. J'ai mis toute ma chance. Allez, allez, là. Donnez-moi une dinguerie. Donnez-moi une dinguerie. Je sais que je suis le goat. J'ai eu un goat. Allez, allez, allez.
D'ailleurs les gars, le code pour cette vidéo, ça va être le code GOAT. Voilà, donc ceux qui veulent un huge, vous marquez le code GOAT. Ok, c'est parti, on continue. Oh, le phénix. Ok, on continue. Le démon, une chance sur 100. Pas mal. Allez, tu sais quoi, j'arrête pas ce jeu tant que j'ai pas une dinguerie. Parce que là, je sais que c'est déjà bien ce qu'on a eu. Comme sur le jeu d'avant, on se rappelle. Mais je veux encore mieux. Je suis sûr qu'on peut avoir mieux. Allez, allez. D'ailleurs, on avait eu quoi sur le jeu d'avant? Je me rappelle plus. Ah si, on avait eu... Oh, oh my god. On avait eu sur le jeu d'avant, je crois, un rainbow avec une étoile. Mais là, du coup, on a quoi? Le Chocolate Dragon. Oh là là, il est incroyable. Bon bah les gars, trop bien. Ce jeu, franchement, il est plutôt cool. Mais j'espère que Pet Simulator RNG va être mieux que ça. Parce que là, j'avoue que ça me fait penser quand même à un faux jeu. Donc, j'espère que ça va être mieux. Et puis, je vous propose de changer de jeu directement. C'est parti. Du coup, qu'est-ce qu'on a de beau comme Pets RNG? On a celui-là, les gars, avec 27 joueurs en ligne. Donc, c'est quand même pas mal, sachant que la plupart des Pets RNG, les fakes, et bah, il n'y a personne qui y joue. Du coup, on va y jouer. C'est parti. Et ça va être le dernier de la vidéo. Donc, le troisième, les gars. Parce que jamais 203. Et il a l'air très bizarre, celui-là. Ok, et bah, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau dans la boutique? Ah ouais, on a des... Ok. On peut avoir un Pets à 13 millions et à 600 millions. Incroyable. Ok, ici on a ça et ça on a ça. Ok, rouleau pour animaux de compagnie. Ok, bah c'est parti les gars. Ici on peut crafter des trucs. Donc là moi j'ai un normal équipé. Assez normal en vrai. Et donc c'est parti, rouler le premier les gars. Et c'est un petit chien. Une chance sur 3. Oh lui il a une dinguerie. On va pas trop se spoiler mais... Wesh les dingueries qu'ils ont. Et là je peux récupérer des potions. Ok, trop bien. Allez c'est parti, on ouvre. Et j'ai eu le chat le plus basique, super. Est-ce que je peux... Ah ouais, faut payer, c'est des bâtards. Ok, heureusement, en automatique, c'est gratuit. Ok, c'est parti, les gars. Bon, celui-là, il est assez classique comme jeu, franchement. Regardez la map. La map, elle est plutôt belle, franchement. Oh, j'ai eu quoi? Attends, j'ai pas vu. J'ai eu une chance sur 50, rhinocéros. Nice. Deux fois d'affilée. Ah, mais on peut voir... Ah non, j'ai cru qu'on pouvait se faire spoiler. Bref, du coup, ouais, je disais, la map, elle est plutôt belle. Elle est assez classique, mais moi, j'aime bien les maps assez basiques et pas trop grandes. Par exemple, sur Pets RNG, ceux qui se rappellent, pendant l'event, les gars, et bah, la map, elle était vraiment toute petite. Mais moi, j'aimais bien, parce qu'il n'y avait pas trop de choses à faire. Il y avait le shop au spawn, donc plutôt cool, plutôt cool. Ah ouais, attends, il y a l'index ici. Ah ouais, il y a des pets de mal. What the fuck, les pets de malade. Ah ouais, mais là, pour avoir ça, mec, c'est une dinguerie. Ok, on va équiper le rhinocéros, hop. Puis on va se balader un peu, les gars. Je suis sûr, il y a une dinguerie là-bas. C'est sûr. Est-ce qu'on peut tomber dans le trou? Non, on peut pas tomber. Ok, c'est parti, on y va. Et puis comme d'hab, hein, on va changer de jeu. Enfin après, je pense que c'est le dernier parce que... Oh, un poussin, je l'avais pas. Parce que on a, comme dirait l'expression, les gars, jamais 203. Du coup, bah c'est parti. Oh, ici, si je découvre 100 animaux, je débloque un multi-roll. Incroyable. Hop, allez, on retourne au spawn. Oh, le poulet. Le poulet! Le caillou! 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 J'ai jeté le caillou! Oh là là, incroyable! 150, les gars. C'est quand même pas mal. Ok, on continue. Allez, est-ce qu'on peut avoir mieux ou pas que sur les autres jeux? Sur les autres jeux, on avait eu 300. Le premier, je me... Oh, une tortue! Je vous avoue que je me rappelle plus le premier jeu, les gars, ce qu'on avait eu. Je sais qu'on avait eu un rainbow et tout, mais je me rappelle plus s'il était rare ou pas, en termes de valeur. Je sais plus du tout, les gars. En tout cas, là, ce que je sais, c'est que bah on en a eu un à 50 et 150, donc c'est franchement pas mal. Mais il nous faut mieux que 400 pour battre l'autre jeu, si vous vous rappelez. D'ailleurs, je vais équiper ma tortue de compagnie, les gars, bougez pas. Hop, voilà. Magnifique. On a la tortue, le rhino et le poussin. Mais le poulet plutôt. Parce que le poussin, il est nul. Le poulet, il est mieux. Ok, on continue, on continue. En plus, j'aurais même pas besoin de mettre des musiques sur cette vidéo. Il y a déjà des musiques incroyables sur le jeu. En vrai, vous savez quoi? Est-ce que je tente de pas mettre de musique pour une fois? Parce que ceux qui savent et qui sont des anciens de la chaîne, je mets tout le temps des musiques sur mes vidéos. Bon, des fois, les musiques, vous les entendez pas très fort, mais c'est normal. C'est pour pas vous casser les oreilles. Et bah venez, je tente pour une fois de pas mettre de musique. Bon, on verra. En tout cas, c'est parti, on avance, on continue. Ok, un petit slime, plutôt cool. Une petite potion, je la bois direct.
Ah mais je l'ai bu direct automatiquement. Allez, là on a bu une potion, c'est le moment d'avoir plus de chance. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, parmi les trois, quel est votre jeu préféré parmi les trois Pet CRNG. Et vous me dites, j'aimerais bien que le vrai Pet CRNG de Big Games, il ressemble au premier, au deuxième ou au troisième. Voilà, vous me dites. Moi, en termes d'automatisme et de classique, je préfère le dernier. Parce que le troisième, vous voyez, il est assez classique. Il y a du parcours en plus. Les pets, ils sont assez basiques, mais justement, c'est ça qui est cool. Alors que le deuxième, il était très très beau. C'était l'un des mondes les plus stylés. Mais malheureusement, les pets, ils avaient vraiment une gueule bizarre. Mais bon, c'est pas grave, c'est cool en vrai. D'ailleurs, on va sauter dans l'eau pour voir ce qui se passe. Oh, il passe rien. Oh! Le soleil! 1 sur 400! Oh! Back to back! What? Oh là là, j'ai même pas eu le temps d'être content pour le soleil. Regardez, je viens d'avoir quoi? Oh, un soleil 1 sur 400, il est incroyable. Et j'ai eu mon premier bleu, le rhinocéros de l'espace. Oh, il est incroyable avec un avion. Oh, le caillou. L'espace. Oh, oh, oh là là, le cerf. Oh là là, le cerf. 1 sur 200. Oh là 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 là, regardez-moi ça. Bon bah les gars, je crois que c'est une mission rondement menée. Oh, la girafe. Oh, la girafe. Wesh. 1 sur 1700. Attends, mais je vais continuer. En fait, je crois que j'ai un œuf qui me booste mes chances de malade, le soleil. La gars, mon meilleur pet, la girafe, 1750. La fusée, la fusée. La feu d'artifice. Mais c'est quoi cette chatte de fou? Le lion. Mais j'ai même pas le temps de regarder mes nouveaux pets que j'ai des dingueries. Oh là là. Maintenant, j'ai 3 ultra rares, regardez. Oh là là, bon le lion il a une tête de neuil mais... Oh là 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 là, la chance de fou que je viens d'avoir. En fait c'est grâce aux potions les gars, donc cherchez les potions dans la map. Oh là là. Je vous promets qu'en termes de chill les gars, moi je préfère le troisième parce que il est vraiment chill de fou. Genre le troisième il est tellement chill les gars, c'est incroyable. Moi je l'aime bien. Par contre en termes de graphisme, le deuxième pour le monde il est trop beau. Le deuxième il y avait des graphismes un peu toon, un peu enfantin élégant. Franchement très stylé. Et le premier je pense, je le préfère pour les pets et pour la ressemblance à Big Games. C'est celui qui ressemblait le plus au vrai jeu. Donc franchement, ils prennent un peu les trois. Ils font un jeu assez simple comme ça, avec des beaux graphismes comme le deuxième. Et un slime stylé. Il s'appelle le slime sale, le pauvre il est sale. Bon bah les gars, on a fini d'utiliser la potion d'Ultra Luck. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Franchement, elle était vraiment incroyable. D'ailleurs, vous savez quoi? On va faire l'intro, enfin l'outro, sur le vrai jeu, hop. Mais du coup les gars, prochaine vidéo, vous verrez une vidéo Pets RNG normalement si le jeu est sorti. Et puis on pourra comparer avec le vrai Pets RNG s'il est incroyable. En tout cas, j'ai kiffé moi perso. C'est la première fois que je joue à des jeux Pets Simulator RNG pas officiels. Mais par contre, faut savoir que je n'ai jamais joué à des Pets Simulator non officiels les gars. Si jamais vous voulez une vidéo sur tous les jeux fake de Pet Simulator, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, parce que je ne l'ai jamais fait de ma vie. J'ai juste fait les Pets RNG non officiels. Donc vous me direz en commentaire, pardon. Et puis on se retrouve du coup dans la prochaine vidéo. Bye bye les mecs, j'espère que vous avez kiffé. Et puis bisous bisous.